sera plutôt une faute pour l'MC Oran. Et il va voir le joueur qui est resté au sol, Amri, le numéro 8, qui a fait son entrée en seconde période. 89e minute de jeu. Toujours ce score de 3 buts à 1 pour la GS Saoura. Aoudou par deux fois en première mi-temps. Bakayoko en seconde mi-temps pour la GS Saoura. Et Amrani pour le MC Oran à la 83e minute de jeu. Pour l'instant, le jeu est arrêté. Et on est pressé d'en finir du côté des supporters de la GS Saoura. Le temps ne passe pas. Voilà, on revoit ici sur cette action le but. Et cette sortie hasardeuse du gardien. Alors Dagoulou au milieu de terrain. Dagoulou Aoued. Aoued qui a essayé de lancer sur Bourzama. Et s'est coupé par Barbari. Barbari s'est remis loin devant par les défenseurs. Et voilà, on ne se parle pas. Belgilali, ça y est sur le côté. Il l'a vu, Belgilali. L'appel de balle, Belgilali, la frappe de Belgilali. Et également le bon placement de Dahmen. Un tout petit chouïa au-dessus de la barre transversale. On revoit ici l'action. Ah, il fixe le gardien qui était bien placé. Dahmen. Et le temps additionnel, 5 minutes de temps additionnel sera octroyé par l'arbitre Zouaoui pour cette fin de match. Elles vont être longues, ces 5 minutes pour les 22 acteurs. Elles vont être courtes pour l'MC Oran et très longues pour la GS Saoura. Que dit l'arbitre? Ah, il siffle faute contre Amri. Ah, on n'est pas content du côté des supporters contre l'arbitre Zouaoui. Et donc, il donne un coup franc pour le MC Oran. Et les joueurs qui sont en discussion avec l'entraîneur. Donc, monsieur Mchichali, l'entraîneur de la GS Saoura, on lui dit non, monsieur l'entraîneur, il y a faute, il y a faute. Et le dernier mot, comme nous le confirmera notre ami Youbi, revient à l'arbitre central, monsieur Zouaoui. Ah, le centre s'est détourné et carrément loupé son dégagement. Ne sert, et ce sera un corner pour le MC Oran. 91e minute de jeu, 3 buts à 1 pour la GS Saoura. Le corner qui va être reboté par Aoued. Corner sortant